Résistance, Force armée citoyenne liberté, mesdames, messieurs, bonjour. Bon, tous les jours, à la télévision, on nous parle des problèmes de la fourniture en électricité. Bon, là-dessus, il y a à boire et à manger. On préfère aller revendre l'électricité plus chère dans d'autres pays. Et le deuxième problème, c'est qu'au lieu d'avoir anticipé, on a laissé couler. Alors que les solutions, elles existent. De la place pour faire des parcs photovoltaïques, c'est pas ce qui manque. D'ailleurs, ils en ont parlé à la télévision, que les grandes surfaces, ces grandes sociétés qui font de l'argent, malgré qui sont toujours en train de pleurer, vont devoir installer des centrales photovoltaïques au-dessus des parkings de la toiture des grandes surfaces. Mais pourquoi qu'on ne le fait pas aussi au-dessus des stades? On peut très bien les recouvrir d'une centrale photovoltaïque en les montant à 15-20 mètres d'eau. Et pourquoi qu'on ne le fait pas sur les parkings de la municipalité? Ça en fait des surfaces à recouvrir de panneaux. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui existent. Il y a beaucoup de places inutilisées alors qu'on pourrait faire, sans déforester, on pourrait faire des centrales photovoltaïques. Et pourquoi on ne pose pas des panneaux solaires sur les grands pylônes des lignes haute tension en mettant des supports en oblique puisqu'il faut qu'ils soient du côté sud? Et pourquoi qu'on n'installe pas des panneaux? Je pense qu'on pourra en installer pas mal. Et pourquoi qu'on n'en installe pas en bas puisqu'ils se déboisent toute la partie où passent les pylônes? Pourquoi qu'ils n'installent pas des panneaux solaires en bas au pied? Voilà, on pourrait dire aussi pourquoi qu'en tête des pylônes ils n'installent pas des éoliennes. Au lieu de mettre de déforester, d'installer des éoliennes ou de les mettre en mer, pourquoi qu'ils ne les mettent pas sur les pylônes existants? Il y a des solutions. Pourquoi qu'on ne fait pas au bord des autoroutes comme un tunnel, non pas de fermer les côtés, mais sur le dessus, en haut, à 15-20 mètres de haut, pourquoi qu'on ne fait pas des centrales photovoltaïques? Ça ne gênerait rien à la circulation au-dessus des chemins de fer. Ça n'empêcherait pas les trains de circuler. Je sais pas. Les ingénieurs, il paraît qu'ils ont une grosse tête, mais ils ont un M&M's dedans. Ils s'en servent pas. Voilà, bon, puis c'est vrai que ils préfèrent utiliser le fric pour faire autre chose. Les grandes sociétés, comme avoir un yacht, acheter une île, un morceau sur une île, et voilà, des choses comme ça. Si tout était géré de correctement, et si on s'y était pris en avance, on n'en serait pas là. J'ai toujours dit, pourtant je suis français, la France, elle a trois trains de retard. Et plus ça va, et plus elle va en arrière. Elle n'avance pas. Sur ce, bonne journée, messieurs, dames.